Bonjour, c'est Macadamran. Nous sommes au château de Vivioures. On l'appelle aussi le château de la Roquette. Il est situé à mi-chemin entre les contreforts des Cévennes et la Méditerranée. Le pays de l'ombre est un court vallon d'une dizaine de kilomètres, conquis sur la Garriguière, au nord de Montpellier. Il est limité à l'ouest par le massif de la Serranne et à l'est par la vallée de Montferrand, à laquelle on accède par une large brèche que borde la montagne d'Ortus, et au nord, le pic du Saint-Lô au sud. Les ruines, donc, ici, du château de la Roquette, sont dressées entre ciel et végétation, qui occupent une crête à l'ouest de la montagne d'Ortus, à 225 mètres d'altitude. La vue sur le Val de Londres. Et les Cévennes. Une vue plongeante. Et là-bas, il y a le Pas de Géant. Voyez-vous, jadis, il y avait des géants ici. Il faut qu'ils venaient festoyer au château. Ils en faisaient des châteaux de cartes.